On se dirige vers Armadillo avec du monde. Avec la petite famille Owen. Et je pense qu'avant, on va aller faire un petit saut au saloon. Boire, manger, se ravitailler. Moi, j'hésite. Si, c'est au Mexique, tout à fait. Enfin, Nouveau-Mexique, j'imagine. Et voilà. Et je suis jamais allée. Elle m'a dit qu'il n'y a aucun souci. C'est comme ça que je pourrais voir à quoi ça ressemble, tu vois. Moi, je vais attendre la petite famille ici. Tout va bien pour vous ? Ouais, tout va bien. Et tout va toujours très bien. Ah bah, ravi de l'apprendre. Toujours, ça fait très plaisir en tout cas de voir ce saloon vivant. Ah bah oui, vraiment ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien de voir tout ça bouger. Et je vois que les fenêtres sont plutôt intactes. Pour l'instant. Ah, on peut s'arranger hein, si vous le souhaitez. Non. Allez, une. Essaye. Oh, je vais m'éloigner un petit peu là, je sens qu'il va y avoir du grabuge. Oh, bravo. Bravo. Il y a du réflexe, hein. Moi je saurais pas. Hein. Pourquoi tu recules? Je recule parce que c'est plus grande dynamique. Oh, oh. Voilà, comment faire diversion et attirer l'attention de quelqu'un. Ah, c'est malin ça, vous avez pris ça à la chasse. Oh. Voilà. Oh, elle a cassé la fenêtre. Elle a non, cassé y a, la fenêtre, y a plus de fenêtre. La dame, elle a cassé la fenêtre et moi j'ai pas le droit. Fenêtre. C'est honteux. Non, t'as genre. Pas le droit. Mais y a plus de fenêtre. Oh. Oh bah dis donc. Ah, je l'ai eu. Vous avez glissé là. Je l'ai eu. Ah, il battait. Je l'ai chopé en plein vol. Ah oui, vous l'avez pécho, ouais. Comme disent quoi les jeunes. J'ai entendu un jeune dire ça. Ah, j'ai mal à ma tête. Je sais pas, mais oui, ça avait l'air intéressant. Tu n'avais pas le droit de toucher, ça t'apprendra. Oui, bah oui, j'ai bien compris. Non. Oh, maltraitance sur femme. Oula. Dans les jambes, dans les jambes. Sur ce, mesdames et messieurs, cours. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il y a des témoins, monsieur. Il y a des témoins. Il est sympa, votre chapeau. Merci. Et il est par terre. Ouais, vous pouvez le garder, y'a pas de soucis. Ok. Je vous le garde au champ. Hop, à moi. Sûr, je me suis ah non, attends. Oh, non. Voilà, j'ai votre chapeau. Mais. Moi, oui, on voit en double. On voit en double. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Tout va bien? Ah, choc. Je savais pas que j'en avais deux. Allez, bon, mais... Vous en aviez deux l'un sur l'autre, je pense. Voilà, je vous le rends. Je vous en rie. Ah, mais maintenant c'est bon, on y va? Non, mais non, non. Ils sont fous, ces gens. Ils ont l'air de bien s'apprécier, les deux. Oui. Ah, en effet. Oui. En plus, il m'a dit qu'il était là depuis vraiment pas longtemps. Et puis, bah voilà, il avait trouvé un travail ici. Et finalement, bah, ça a très bien fait. Oui. Ça colle bien. Ah, ils sont rigolos. Bah, est-ce que vous voulez qu'on fasse ce petit tour ou vous avez d'autres choses à faire avant? Hop, il manque cartouche. Ah, mais bah, cartouche, j'ai parti. Ah, d'accord. Bon, c'est peut-être pas plus mal avec sa tête. Ah. Qu'il aille se reposer au saloon. Ah, est-ce qu'il a oui, pris oui, mieux, oui. Attendez, c'est juste où on voulait aller? Moi, bah, je peux pas trop bouger, il faut que je me fasse recenser. Sinon, je vais me faire avoir. Il y a une vieille prof de la petite maison dans la prairie. Bah, on va secouer un peu les. Vas-y, on va laisser les shérifs. Oh, on va secouer les shérifs. On va secouer les puces. Oula! Et il a de l'endurance, papy, pour son âge, hein? Ah oui, moi je fais pas ça, en plus j'aurais peur de glisser dans la boue. Urive! 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 Ouais, ils ont des tasses sur les portes. Ouais, on peut taper sur la porte comme ça, hein? Il est pas là, le jeu. Bah, il faut taper comment? Allô? Madame qui parle? Oui. C'est vous, Adonis, qui a dit ça? Non, c'est pas moi. Je cherche aussi. Ok. Peut-être qu'on nous a entendus de loin. Oh. Ouvrez, s'il vous plaît. Oh, la porte. Ici, hein. Faites pas chier, hein. Elles sont bêtes. Je tape pas sur votre porte comme ça, moi. J'ai pas de porte. Oui, bah justement, on tape pas comme ça sur une porte, putain. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît. Oh, attention, vous allez l'énerver. Pourquoi vous voulez nous ouvrir? Ah, c'est vous. Ah, c'est ici. Je pensais que c'était dedans que ça gueulait. Je sais pas, mais le monsieur il voulait vous secouer les puces. Comme ça pour un recensement. Allez,
voir de l'autre ville. Oula, oui, c'est risqué d'appeler son cheval ici, hein. Oui, oui, oui. Mais non, mais... Le recensement... Vous aimez bien le risque, vous, non? Le recensement, vous pouvez le faire n'importe. Décidément, hein. Vous allez avoir une amende. Ah non, ah non, ah non, y a pas de shérif. Là-bas. Oui. Oui. J'ai bien juste une plaie qui tire un peu. Qu'est-ce que l'opération? Ah! J'espère que l'opération n'est pas trop lourde. Bon courage, petit baderne. Je bois un coup, je bois un coup. Bah sinon, on passe à Blackwater ou Armadillo. Si, si, par contre. $150. Mais Je sais pas qui t'aime, mais vous expliquez qu'il y a. Non, 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 c'est pas une douleur. $150? Allez voir, Arrow. $50 pour quoi? $150 si on n'est pas recensé. Oh, mais non, oh oui, d'accord. Bon, j'ai fait il y a longtemps, mais. La même. Heureusement. Oui, oui, ah oui, ça viendra tout. Ah, par contre, pour faire des parages, ils sont là, les shérifs, hein. Ah oui, ils sont tous à Blackwater, enfin, ils sont tous sur le chemin, c'est pour ça qu'ils sont pas là. Bah oui, mais ils devraient en garder un ou deux. Ouais, ouais, ici. Dis donc, là, je vois assez de responsabilité comme ça, hein, ils veulent pas me faire chier, hein. Allez, dans ma route, si j'y suis, hein. On m'énerve, lui. Attention. Dans les maisons des enfrais. Eh, hey, pas bien. T'as pas passé la porte comme ça. Je l'aime bien, elle, je sais pas pourquoi. Je me sens regardé. Non mais, ça sert à rien, je pense. Vu qu'il n'y a pas de shérif. Plus... Il doit bien avoir un shérif clodo. Mais non, ils sont tous sur le chemin, on les a vus. Eh mais ils ont vraiment que ça à foutre, hein. Bon bah vas-y, c'est quoi? Oh, on s'en va. Tu es déçu, cette ville. Ah, cette ville, elle est pleine de surprises. Moi, j'aime bien. Je mets la clé sous le tapis. Ça regarde à travers les fenêtres, là, avec des jumelles. Non, non, non. Ah, les jeunes aujourd'hui, hein. En plus, ils écoutent de la musique bizarre. Oui, oui, oui. Le seul truc qui est bien ici, c'est le salon et le piano. Ils ont qu'il est bien. Ils ont pas de quoi, d'orc? Eh oui, ils ont que des flèches. Ah oui. C'est nul. Mmh. C'est vrai. Je vais chasser, moi. On peut lancer les flèches à main nue, mais ce sera pas foufou. Ouais, vu mes bras, Denis, je sais. Oh oui, non, mais je comprends. Hein. Je vois pas plus d'un mètre, alors bon. Ah, bah sinon, ouais, bah d'accord. J'y vois, je distingue les goûts et les couleurs. Mais il ferme ou il ouvre? Bah, il ferme. Mais bon. Oh, il y a des médecins, un niocine. Ça, c'est bien. On peut toujours retourner à Sweet. Mais on devait pas aller. Je sais pas, on devait aller où? Armadillo, il voulait le petit cartouche. Oui. Bah, Denise, elle devait y aller. Bon, pas spécialement, c'est juste que j'avais envie d'y faire un tour et il m'avait dit je vais aller à Armadillo. Alors j'ai dit bah c'est parfait. Bah oui, je suis jamais allé aussi. Et aujourd'hui, les shérifs ils m'ont dit ah c'est pas mal là-bas, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oh bah viens de la ville. Oh bah. Je fais ma prière. Il est drôlement beau votre cheval. Allez, merci. Et il y en a bio. Je la prends au cas où il y a un autre accident, qu'on ait un cheval de secours. On sait jamais, hein. Oui, je vous suis et. je vous suivais dans le mur, là. C'est ça. Armadillo, va falloir qu'on sache où. Par où aller. J'ai la direction. Parfait. Moi, je vais. On doit pas être au galop normalement. Oui, c'est vrai. Bon, y'a pas de shérif. Aussi, ils sont tous sur le chemin en train de faire des contrôles. Bah, surtout que moi, ils m'ont même pas contrôlé. Bah, non, t'étais avec moi. Oui, oui, t'es voilà, oui. Tu parles d'un contrôle. Alors, ces 15 personnes sont mes enfants, vous inquiétez pas. Ils sont clean, les fouillez surtout pas. Je t'avais dit, je pourrais protéger. Oh là. Oh là là. Ah oui, bien sûr. De toute façon,
Les shérifs, ils font plus ralentir qu'autre chose. Hein. Oui, c'est pas faux. Je pense que c'est pas comme ça qu'ils vont attaquer un gang, hein. Attraper un gang. Oui. Ils savent pas mener l'enquête. Ah bah non, ils sont tous. Vous avez vu, ils étaient tous en groupe sur un chemin. Et voilà. Ah ouais, mais moi je soupçonne. Et c'est à ça que servent les taxes, hein. Ah bravo. Oui, ils savent même pas faire des routes. Ils se mettent tous en plan à 14 là, et puis maintenant quand on veut aller. Quand on a besoin d'un shérif en ville, bah y'a plus personne. Il n'y a même pas d'adjoint du shérif. Là, il pourrait y avoir un braquage, il serait pas là. Ah bah. Oh. C'est quand même un con. Oui, ça fait réfléchir aussi un petit peu. Ah oui, si, oui. Des informations intéressantes en fait quand il y a un barrage quelque part. Ça pourrait intéresser des gens. Oui. C'est pratique, elle a la lumière. Ouais, enfin moi là, je vois plutôt une cible. Ah oui, c'est. On va laisser aller un peu devant. Ça vient avec mes mètres de vue. Je vois une cible, c'est tout. Ah, je te laisse passer devant, vas-y. Oh, d'accord. C'est gentil. Vas-y, bisous. Un cheval qui a des phares. Je sais pas si tu m'entends là. J'entends. Le bisou n'était pas obligatoire, mais c'est gentil. Pardon? Quand tu m'as laissé passer, je t'ai laissé passer. T'as pas dit bisou? Ah, j'ai dit vas-y, bisou, c'est mon cheval. Ah ouais, c'est un tigre, je vois. Attends, la cible s'éloigne. Faut courir. Vite. Attends pour là, mais de loin. Oh, c'est trop bon. C'est trop drôle qu'il ait compris ça. Je trouve ça excellent. Un bisou. En plus, la vieille qui dit merci, bisou. Je vais pas aussi vite, moi. Ah si, c'est bon. Ouais, ça descend, là. Oh oui. Il y a plein de cailloux. Bon, le cailloux. Ah, faut. Faut rester appuyé, c'est pour ça. Ah, va vite, hein. Regarde des bijoux comme un œil. Elle rattrape de fou, là. Oh là là, on croit du monde. C'est cool, on va à l'Armadillo, j'avoue que j'avais envie depuis un petit moment, bah c'est sympa. Parce que là pour le coup ça fait vraiment ville de bandits. Je pense qu'il pourra avoir des opportunités. La ville de bandits. Et puis bon, apparemment on se fait du fric là-bas là. Du gouvernement. Bah ça c'est pas trop tôt ça. Ah j'adore, je fais la vieille qui se plaint de tout. Y'a beaucoup de chevaux dans ton cheval. Ouais, mais il a des bons freins, on l'a constaté tout à l'heure. Là, ils auraient pu mettre une frontale. Bah regardez, c'est ce qu'il a le cheval en face. Hein. En fait, il y a une lanterne qui s'accroche au devant du cheval. Comme un collier un petit peu. Ça va Marie? Ça va et vous? Oui ça va. Heureusement que vous avez une lumière. Ah bah oui, heureusement. J'aime bien Marie, elle est cool. Oh, c'est tous cool hein, après en vrai. Hein. La jante chromée. Attends. Non mais il y a même des moustaches. Alors bon, on va voir pour le coup, mais on peut mettre un moustache à son cheval. Et quand je dis moustache, c'est vraiment imaginer la moustache de quelqu'un, de lambda, un mec quoi. Il a des petites moustaches un petit peu qui remontent sur le côté. Bah tu peux mettre ça à ton cheval.
Oulala, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh, attention, je crois que c'est un glouton. Ou autre chose. C'est quoi ça? Oh. Merde. Viens là. Oh putain. Vas-y, monte. Monte, vite, on se casse. Machinette, non. On l'appellera. Elle a fui. Mais vous avez pas des fusils, vous? Si, mais j'ai 2 balles, littéralement. Alors, on va courir, ce sera plus efficace. Mais il arrive trop. Les bijoux, cours! Elle veut pas courir! Ah, elle veut pas courir! Voilà. Oh tiens, je me disais la dernière fois, j'ai pas croisé de couillard encore. Mais c'est dangereux. Je veux exaucer. Tu crois qu'elle est décédée? Non. Mais non, elle a fui. Les chevaux, c'est malin. Oui. Eh ben. Je pensais qu'ils attaquaient pas trop sur les routes. Ouais, tu m'étonnes, ouais. C'est ma première fois. Ah oui, pareil, là c'est. Waouh, c'était particulier. Ah, je m'y attendais pas là. Le en plus, en pleine nuit. Tellement fort qu'on ne pouvait plus avancer, oui. Oui. Bah, les chevaux, ils ont pas aimé ça non plus. Hein. Ah non, ils ont senti le danger. Oui. Et ils sont plus malins que nous. On l'a pas senti, nous, on fonçait dedans. En même temps, bon, dans la nuit, c'est compliqué. Hein. C'est pas faux. Première fois avec une cougar. Ah, attends, je vais la sortir. Du coup, c'est votre première fois avec une cougar? Merci, Fernando. Ah, on peut dire ça. Ah, c'est excitant. Elle a failli me ramener. Gentil. Par contre, ah, c'est sauvage, hein. On dirait Marie quand elle a la dalle. C'est pour ça qu'elle a rien fait à Marie. Exactement. On va donner à manger à Bijou après. Hein. On peut plus la pauvre. J'avoue, c'est trop marrant. Ah, mais ça fait partie des trucs, des petits événements bah, que t'auras pas par exemple dans GTA, niveau du RP, et qui peuvent vraiment foutre le bordel de fou, quoi. Moi, j'ai déjà vu des RP où t'as un ours qui attaque un cheval et tout, et du coup, bah, où t'as les autres qui partent en courant et puis essayent de revenir, ils voient plus personne. Hé, oh, bitch! Lui, on va. Oh là là. Bon, ça va, on a envie, en espérant que Ginette s'en sorte. Ouais, j'espère aussi, oui. Oh là là. Trop marrant. Petit lapin. Petit lapin. J'aime bien les paroles. Moi aussi. Je crois que ça parle d'un lapin. C'est mignon. Mais il est petit, le lapin. Et le matin, il tue des chasseurs. Enveloppe. Je connais une fille sur un oiseau qui a pas d'aile, mais il peut pas voler. Tu crois qu'une cougar ça se mange? Ça dépend quelle partie. Je te laisse deviner. Après, ça dépend du goût du. C'est tout. Ça dépend du goût de celui qui mange, quoi. Oui, voilà. Je te dirai si c'est bon. Ah, j'ai un rhume. Oula!
ça commence à... Ah là, on se rapproche du désert, là. Ça y est, je vois 0,1 mètre. Je vois ta coupe chevelue. Et mon chapeau. Heureusement, t'es grand. Oui, oui. Du coup, tu vois de loin. Eh, mais t'as gardé le chapeau de... Ah, oh, mais c'est... mais c'est magnifique. T'as gardé le chapeau d'Élise. Oh, oui, c'est vraiment beau. Y'a pas d'eau. Y'a pas d'air. Y'a pas d'arbre. Mais c'est beau. Là, y'a pas grand chose. Ah si, y'a un lac sur la gauche. Ah oui. Oui, oui, ah oui. Oui, 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 on le voit de loin. C'est magnifique. Ah, c'est bien mais qu'il fasse jour, parce que avec la fumée... Je transpire. La poussière. Denis. On va pas courir trop. J'ai des cheveux dans ma bouche. Oui, bah, moi j'ai du sable dans la bouche, on a tous des problèmes. C'est tellement salé. Ça crie sous la dent. Hein? T'as dit quoi, Marie? Oh. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon pauvre petit. Un vieux con. Oui, il y en a qui répondent pas, mais après, je sais pas si c'est parce qu'ils parlent pas la langue ou parce qu'ils sont pas polis. Je pense que c'est les deux. Hein. Oui. Oh, il est tout seul celui-là. Il attend. Il a pas l'air en forme, hein. Il baisse la tête. Il n'a pas d'air. C'est un peu désert ici, hein. Ah oui. Bah c'est le désert. Peut-être un lire. Ah, je vois des chevaux, il doit y avoir des gens. Ding, 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 ding. Attendez, je vais aller au coiffeur. Je pense que je devrais aller me changer parce que j'ai peur d'avoir trop chaud ici. Vous aussi. Je vois le shérif derrière. C'est vrai. Vas-y. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Bonsoir. Et non, il n'y a pas vu les shérifs là. Hop là. Oh, trop marrant le coq. C'est la première fois que j'entends un coq dans Red Dead, trop cool. Reste là, bijou. Tout l'état. Ah bah oui. Ah bon. Bah oui. Alors quoi? J'ai encore rien fait. Bah je viens, on va aller voir ça. L'armure est... Ah oui, c'est vrai, c'était ça, la marée. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est ça, voilà, c'est le tu y prose. C'est l'avocat, seigneur. Ouais, tu y prose. C'est le meilleur avocat. Dans une zone fermée. Eh, vous avez pas déjà vu moi quelque part, non? Ouais. C'est possible, je sais pas. Votre nom, c'est type. Je sais pas où il est. Oh, c'est trop cool. Question à se déplacer un peu plus. Roger. Oh là, oh là. Un jour. Oh. J'adore cet endroit. Bonjour, mon brave. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Qu'est-ce qu'ils vont par là? Oh, je vais peut-être attendre les autres, on va boire un coup ensemble, je pense. Attendez, j'attends mes comparses. Bonjour. Voilà. Comment Pardon. Allez-vous? Bah, très bien, et vous? Bah, vous avez une très belle arme, dis donc. Merci beaucoup. Elle brille beaucoup. Oui, c'est celle de mon frère, il me l'a offerte. Oh, quel beau cadeau. Eh oui, n'est-ce pas? Ah vous oui. Vous venez d'où comme ça? Ah, là, c'est... on vient de Blackwater, non, plutôt voilà. Valentine. Bonjour. Il y a un long chemin quand même. Hein. Eh ben oui, mais bon, je n'étais jamais venu ici, on m'en a dit que du bien de cette ville. Ah bah oui. Et on m'a dit qu'il se passait plein de choses. Ah, il se passe tout le temps plein de choses ici, vous savez. Hein. Ah oui. Ah oh, bah oui, mais vous avez la même arme. Oh, mais oui. Quelles belles armes. Si, gracias. Ça impressionne. Ouais, c'est vrai. Comment vous appelez? Denise Duval.
Denizo, que moi c'est Irma. Irma, très bien, oui. Enchantée. Irma, enchanté comment aussi. Rodriguez. Rodriguez, parfait. Oui, mais de la famille Loco, du coup. Ouais. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, il a mis son pyjama. Il va peut-être un petit peu chaud avec ça. Ouais, je pense aussi. Il fait chaud en ce moment dans le. Ah, bah oui. J'ai pris mon pyjama, il va aller dormir. Ok. Ok, pas de problème. Bonne nuit, Sandra. Eh bah, très bonne nuit. Me fait plaisir. Et du coup, on est venu avec mes amis, donc je les attends. Je pense qu'on va profiter un petit peu pour goûter. Pour goûter ce qui se vend ici. Faites-vous plaisir, y'a aucun problème. J'aime beaucoup cet endroit. Après. Quoi? Bah attendez, si à la fin je vais aller boire un coup avec vous. Ah bah oui. Vous bien boire un coup avec nous. Ah j'arrive, bah, je vais voir ce que font mes amis, j'arrive tout de suite. Ok, très bien. Je vais me changer, alors je vais laisser ton pyjama de l'inviter. Oh bah si vous voulez, hein, mettez-vous à l'aise. Oh bah non, pas de chichi, hein. Oula, pardon, excusez-moi, bonjour. Je suis tout voilà. Dur, quand même, hein. Bon bah il va y avoir la fête dans le saloon. Excusez-moi, il y a... Oui. Monsieur Loco, il est là ou pas? Monsieur Loco, oui, pourquoi? Ça va, madame? Bah très bien, et vous? On aimerait bien le voir. Bah ça va. C'est de la part de qui? Ça va très bien. Bon, je découvre la ville. De qui? Bon, c'est bon dur. Ouais, je viens plutôt du nord, alors c'est fort sympathique. Ah oui. Ça commence. Ah bah. Voilà. Déjà, les gens sont fantastiques. Ne franchis pas cette ligne. Voyez quoi? Pardon? Oula. Oulala. Attention, caballo. En plus, il est venu juste pour faire ça, le cheval. Il avait quelque chose contre vous. Asseyez, hein. Je crois que vous le maltraitez un petit peu, hein. Du coup, est-ce que monsieur Loco, il a... Oui, Mike Loco, il est là. J'arrive tout de suite. C'est possible de le voir? Eh ben, l'entrée est dans le salon, il arrive. Ah, super. Bah, écoutez, il y a du monde au salon. Vous voulez qu'on aille voir un petit coup? Bah, ouais, on va voir un petit coup. Suit. Allez. Allez, bon, la bienvenue à la ville. Ah bah oui, faut qu'on fasse ça. Ah oui, vous tenez le bras alors, ça va pas l'air d'aller. Ça va passer. Y'a le médecin dans son cabinet là-bas. Ne vous inquiétez pas. Ouais, une petite tequila et ça va aller mieux. Allez, ouais. Alors. Eh, attends, il va te donner là, le mana, tu vois, attends. Oui, il va pas l'ouvrir ce truc, eh. De merde, là, oui. Donne-moi la boire, toi. Ouais. M'éloigner aussi, parce que j'y arrive pas. J'ai encore mal à la gorge à cause de la mouche que j'ai beaucoup galopé. Ouais, j'ai bien compris. Allez, donne-moi la boire, toi. Je vais aller me passer de l'eau et je reviens dans un temps. Ouais, vas-y. Je me sentais pas petite, c'est horrible. Mais c'est vrai que... Il est où, papy? Voilà. Ah, bah il est assis. Ah, il est assis. Il a déjà réservé une table. Voilà. Bonjour, Bessidan. Et bonjour. Non, c'est pas elle. Et monsieur Mike, il arrive, hein, signora. Ah, allez, fais un tour de la manu. Tiens, la manu, un coup, attends. Oh, qu'est-ce que c'est donc? Ah, oui. Du coup, vous venez d'où, là, messieurs, dames? Oh, bah merci beaucoup. Et qui est là? Attends, hop. Moi, j'ai pas tout compris, voilà. Ce que vous avez dit, signora. T'es venu à tes compagnons. Oh, bah c'est adorable, merci. Mais qui a l'accueil? On m'a jamais accueilli aussi bien. S'il vous plaît, signora, attention à ne parler pas trop fort. Oh oui, pardon, c'est juste pas assez fort. Voilà. Et le piano, il fonctionne? Voilà. Si, il fonctionne le piano aussi. Oh, c'est super. Merci. Ah bah écoutez, papy. Oh, ce serait sympathique. Ouais, on s'entend pas du tout. Moi je parlais trop fort, mais lui il parle peut-être pas assez fort. Voilà. Hey, je t'ai donné un truc, tu verras dans ta poche. Ah, Babi! Allez, il veut que je rentre dans 4 planches. Tiens, allez boire un coup. Hey, si vous voulez faire le piano, allez-y. Hein. Ah, super! Oh, merci, vraiment, c'est super sympathique. Ah, bah, vous avez faim ou pas? Ah, ça va. Pour l'instant. C'est fort pas. Sympathique, merci. Et mon réfé, il fait la cuisine ici, c'est le meilleur. Ah, c'est à vous alors tout ça? Si, c'est à notre famille ici. Ah, d'accord. Et bah, j'aime beaucoup l'établissement. Et puis, quel accueil. Si, après, des fois, il y a la bagarre aussi, c'est rigolo. Oh, oui, mais c'est normal ça. Si, ils m'ont fait exprès de faire la bagarre comme ça fait le sport quoi. Oui. Et on peut parier? Si, bien sûr. Après, on fait les joutes mexicaines aussi, vous connaissez ou pas? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait les événements sportifs, c'est un sport traditionnel, si. En fait, il y a deux hermanos, oui.
Deux hermanos avec les machetés et les casques. Et en fait, ouais. Ils courent à cheval les uns contre les autres comme ça. Oh, ça doit être impressionnant, c'est ici? C'est. Ouais, c'est ici, on va faire un gros événement bientôt là. Ah oui, oh, j'espère que je pourrai venir. Mais bien si sûr, après, vous êtes la bienvenue. Mais c'est pas grave. Oui, bah. Non, oh, les shérifs sont pas toujours les derniers à participer. Mais on a vu avec le maire et les shérifs, ils sont d'accord. Ah bah voilà. Ah, super. C'est... Donc c'est bien. C'est... Hein. Sinon, il y a les dynamités, le bureau des shérifs, tu vois. Là. Oh, bah oui. Hein. C'est gringo du merde là. Ah oui, ça c'est radical. Mana, c'est Irma, voilà, elle peut, si vous avez besoin de questions, quoi, elle peut vous aider aussi. Et oui, on a un petit peu discuté. Enchantée. Moi, je suis là à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est très sympathique, merci. Oh, merci. Par contre, faites attention à votre couteau, à votre bouteille, je veux dire, et risque de glisser un peu. Bah, fais ça avec les livres aussi. Oui, ah oui. Avec plein de choses et tout. Ah, ça, je l'ai pas fait. Après, il y a le train aussi, des fois, qui passe, c'est rigolo aussi. Alors oui, je le vois parfois. Il est passé ce soir, je crois. Si, on a fait le tour, non. Oh, bah ça aussi, il faudrait que je fasse. Moi, j'ai fait le tour tout le temps, mais il marche plus. Je vous dis, il marche plus. Je prends le train tout de suite. Maintenant, je suis habitué à la modernité, c'est que le train. Bah nous, on est beaucoup du côté de Valentine, et là-bas, il n'y a pas de train. Vous allez à Valentine, pourquoi faire? Oh, bah parce que c'est pas très très loin, on était à Blackwater. Ah, mais la boue. Enfin, moi, j'étais à Blackwater. Ah oui, il y a la boue. C'est la boue. À Valentine, il y a la boue, et puis il y a des choses bizarres. Ah oui, il y a quoi comme chose bizarre? Ah, bah je sais pas, mais j'ai un ami qui dit que la ville est tentée. Ah bon? Oui. Ah, ici aussi c'est hanté là. Oh. Ah oui, si. Bah, faut frère, demander à Irma, elle va vous raconter. Oui, il y a l'histoire de la sorcière d'Armadillo. Ah! Et je sais pas si vous avez fait un tour un petit peu dans la ville. Mais ah non, pas très 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 peu. On a vraiment. On a à peine posé le pied de cheval. Parce qu'ici il y a eu le choléra, vous savez? Ah oui, j'ai vu des affiches. Oui. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont morts et tout. Du coup, la ville elle est un petit peu hantée parce que. Vous savez, ça crée vraiment un traumatisme au sein de la ville et tout. Ah oui, d'accord. Forcément, au bout d'un moment, on ne savait plus quoi faire avec les corps. Du coup, bah, ça s'est empilé. Eh ben oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour le raid, Charlican. Mais bon, merci. On remonte la pente. C'est adorable, merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Mm-hmm. Et ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Bon, juste éviter de boire un peu dans n'importe quel... Oui, on ne boit pas le croupi. Ah oui, oui, faites attention. On m'a évité. Après, vous allez devenir le boulot ou quoi? Excusez-moi, monsieur. Ah, ok, d'accord, ça marche. J'aimerais bien m'acheter un truc à boire. Un petit parti, ça marche. Il y a du monde, hein? Eh ben oui! Ouais, ça fait plaisir. Oui? Alors, est-ce que tu peux aider, seigneur? Parce qu'il voudrait acheter à boire et il sait pas trop quoi acheter. Tu peux le conseiller? Eh ben, elle est pas mal, la tequila. Excusez-moi de vous importuner. Oh, dites-moi. L'idéal, le bar, c'est ce que je vous ai pris, ma petite soeur. Oh, enfin, en fait, pas de chichi ici. Pas de chichi. Oui. Qu'est-ce un chichi? Oh, c'est faire des manières. Y a pas de besoin. Vous êtes chez vous. Si, bah, je vous respecte quand même. Oh, bah, bien sûr. Non, mais on a vu. On a rarement été aussi bien accueillis. C'est vrai? Ah, parce que dans les endroits comme Saint-Denis et tout ça, ça a beau être très classe, mais ça nous accueille pas comme ça. Hein. Ah non, Saint-Denis, ils sont juste là pour le plata, seigneur. Ah, c'est ça, exactement. Ici, on a l'impression d'être en famille. Ah, c'est ça. Même si vous voulez faire une petite bagarre générale, avec plaisir. Hein. Oh, bah, malheureusement, moi, mes vieux os, ils peuvent pas tenir, mais j'aime bien parier. Vos vieux os, comment ça? Oh, bah, je suis plutôt jeune. Ah oui? Oui. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? Ah, bah non, on me le demande souvent, j'ai 56 ans. Bah, ça va, j'ai mon grand-père, il a 52 ans. Oh! Vous êtes l'un des premiers qui me dit que c'est pas si vieux. Bah, quand je connais vraiment mon grand frère, il a 52 ans, Travailler pour le bar? Non. Ah non, du tout. Non, on vient juste d'arriver, on visite un petit peu la région. Ah, je croyais que parce qu'on vient de loin. Le bar. Ah non. Ok. On va un peu visiter Denis? Je suis hâte d'être ce soir. Oui, bien sûr. Allons-y. Allez, go. Bah, allez, on va faire un petit tour. Façon. Et puis, de toute façon, on va se recroiser. Ah. Mais vraiment, merci. Vous êtes les bienvenus dans tous les cas. Et vous, monsieur, quel est votre nom, si c'est pas trop indiscret? Diego. Diego et Irma, très bien. Je retiendrai. Enchanté, messieurs, dames. C'est un plaisir. Bon, merci beaucoup. Allez, on va faire un petit tour. A tout de suite. Oui, pas de soucis, excuse-moi, j'ai pas vraiment lu. À la gare. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oula, pardon, excusez-moi, j'avance, je regarde même pas. Normalement, faut regarder à gauche et à droite. Oui, bonjour. 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 Il y a du monde. Oh ouais, et ils sont polis ici. Eh hein, c'est fou ça. J'ai pas l'habitude moi. Du tout. Oh, d'accord.
Bah des bisous en tout cas, merci beaucoup. Un peu des gens comme nous quoi. Oui, oui c'est vrai, on se sent comme à la maison, je trouve. Bah, il manque juste alors, l'accent. Oui. Oh je... Ça pourrait venir à force. Bon, je pense pas qu'on aura grand chose à visiter. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, peut-être papy, dans la région. Papy, il a pris son cercueil. Il a commandé un cercueil. Oui, oui, j'ai cru comprendre qu'il était, était un peu à la place de soir. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est une église d'abord ? Ah, oui, allez voir. Ah, effectivement, on dirait. Oh, un bâtiment, le bâtiment il est en feu. Quoi ? Mais non. Qui est à gauche ? Bientôt. Enfin, il est en feu, il est en fumée, il est en fumée, pas en feu. Il est en fumée, oui. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Un petit peu, hein. Mais... Ah, c'est. C'est particulier. Oui. On sent qu'il peut se passer des choses. Oui, oui. Des choses. Exactement. On dirait l'école de la petite maison d'un prairie. De quoi? Oh! Mais c'est vraiment une école. Ça a tiré. Ah oui! Ça a tiré? Oui, regardez, j'ai peur là. J'ai pas entendu. Ah oui, mais je suis. Allô? Je suis pas confiante. Il s'est passé. Ah non, on va aller voir derrière. Y'a quelqu'un? Ils ont oublié de mettre du bois au-dessus. Oh, bah. Bonne oui, c'est vrai. Ah, on aurait dû montrer ce qu'il y a à papy. Ah, bon, oui. Alors, je vais essayer. Je suis un peu lourde pour. Ah, j'ai trébuché. Allez, on va faire une petite pensée à papy, on va faire du piano. Ah oui. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il est accordé? Non, il n'est pas accordé. Oh, c'est dommage. Je vérifie les pieds. Les pédales plutôt. Non, il n'est pas accordé. Nous sommes réunis ici ce soir pour écouter Marie. Je ferai bien. Ça, je ferai bien. Ça. Nous sommes réunis, mes frères et sœurs, en ce jour. Pour raconter des boniments. Pour unir Madame Denise Duval et Rico. Attention, je défends. Attention à l'épaule. Non, ça n'a pas marché. Oh là là. Mais c'est quoi? Pardon? Ah, oui. Oula. Oula là là là. Je rentre dans l'église, on est protégé. Non mais quand on, comment on saura si... Si ça arrive je chez nous? Je sais pas, je sais pas. Oh là là. Attends, attends, bah, je vais derrière. Attention au cactus. On est là, Denise. Oui, vous êtes où? Là, juste à côté du cactus. Oui. Mais moi, si je passe, me piquer. Attendez, je vous laisse la place. Merci. On va pas rester longtemps. Hein. Je vous comprends pas. Je vais pas parler vie. Trop fort. Voilà, là, je vais pas parler trop fort. Bah, dis donc. Effectivement, il se passe des choses. Effectivement. Hein. On est parti 2 minutes. On a bien fait de partir du saloon. En tout cas, l'église, elle est bien isolée. Hein. Ah, on ne donne rien. Hein. On n'a rien vu non plus. Je vois des gens qui marchent. Vous croyez que c'est bon? J'attends de voir un petit peu si les gens qui marchent ils finissent par terre. Ils lèvent les bras à l'autre. Ils lèvent les bras, donc on va attendre encore un petit peu, je pense. Moi, je vais me coucher. Comme ça, on me voit pas. Oui. Voilà. Ah, c'est... ah, j'ai vu plus discret quand même. Il y aura un petit asticot là. Ah, c'est... Là, c'est bien, là, vous le tenez. Là. Parfait. C'est bien accroupi, sinon. Ouais, c'est très bien, ouais. Oh, punaise. Oh là là. Bon. Ça va, sinon je suis un peu... Oui, je suis un peu stressée, je m'en bats. Un petit peu aussi, oui. Ah, oh, je vois quelqu'un qui accroupit, qui lève les bras.
Bah, s'ils sont tous aussi téméraires que nous. J'avoue. Par contre, je commence vraiment à stresser un peu là. Ils repartent en courant. Ça va tout de suite. J'ai des gargouillements. Oui, je les entends. Oui. Oh là là, ils partent à droite. Ça résonne un peu. Oh, ça a encore tiré. Après, on peut retourner dans la maison, mais bon. Donc, on sait jamais quand ça se finit. Dans ce machin là. On dirait un peu une école et une église en même temps. Et il fait chaud quand même. Oui. Ah bon, ça fait le stress ça. Ça a l'air un peu chaud. En plus, je voulais m'acheter des vêtements, mais bon, ça va pas être tout de suite. On va éviter, ouais. Oh putain. Voilà, ça court. Hein. Oh, on va faire quoi là? Bonne question. Parce que bon, si on appelle nos chevaux, ça va un peu dire où on est, quoi. Un petit peu, oui. On peut s'éloigner en rampant. Voilà. Accroupi, quoi. Ouais. On est dans. Voilà. J'ai l'impression d'être vachement maligne comme ça. Allez, courbature au dos. Ouais. Un peu au genou aussi. Ouais, ça craque un peu là quand je marche. Je regarde en même temps à côté. Ça a l'air de s'être calmé quand même. Mais je crois que c'était un clan qu'on avait vu hein, juste avant. Tous les gars avec leur béret là. Attends, oh, attends, bougez plus, y'a quelqu'un. Il est ici, madame. Ah. Oh. Ah non, je vais aller accroupir. On vaut mieux. Oh. Docteur Weber d'Armadio. Et ici, on va se mettre ici à l'abri. Oh, on va attendre que les shérifs arrivent. D'accord. Ici, on va attendre que les shérifs arrivent. D'accord, on n'est pas blessé juste, hein. Oui. Parfait. On était dans ce qui ressemble à une église et puis on est sorti et pas ça a tiré partout. Il y a du monde qui va arriver. Il y a certains shérifs qui vont descendre de Valentine, d'après ce que j'ai vu comme Mitsubili. Ah oui, d'accord. Et j'ai un ami qui est parti, je vais voir s'il y avait à Blackwater, il y avait des shérifs ou pas. D'accord. Ah, je savais que... Tant que les shérifs sont pas venus, on n'intervient pas, on reste ici. Oui, d'accord. D'accord. Et bon, on va rester ici, pas de soucis. Ici, ouais. Merci beaucoup. C'est votre première fois ici à Armadio ? Eh ben, oui. Tout à fait. On est arrivé il y a 5 minutes, 10 minutes. On a bu un coup. C'est plus calme d'habitude. On a fait une petite tour et puis voilà. Oui, je suis docteur ici. Donc c'est beaucoup plus calme ici d'habitude. Là, on est arrivé à un moment moins calme. En plus, il me disait, oui, c'est un peu la ville des bandits, mais il n'y a rien de... Merci. Ils font pas le bordel ici, quoi. Oui. Le seul bazar qu'il peut y avoir ici, c'est une fois toutes les deux semaines, on va dire. Et vraiment le bazar comme là on a ce soir, c'est pas régulier quoi. Ah d'accord. Et vraiment c'est d'habitude c'est plus tôt, mais pas à cette heure-ci. D'habitude ils font ça quand il y a encore des shérifs quoi. Oui parce que là vous avez plus personne. Il y a encore des blessés. Bah il y a plus de shérifs ici ni à Tumbleweed, donc là pour le moment c'est les autres comtés qui vont venir. Donc pour le moment là j'ai encore des blessés, on reste, faut qu'on reste ici. Mais parce que vous êtes tout seul en plus là-bas. Oui c'est le stress. Bah là ce soir oui je suis tout seul depuis à peu près un quart d'heure, ça tombe bien. Tout parfait en fait, parfait. C'est super timide. C'est toujours comme ça en fait. Non puis là en plus c'est encore des blessés à Armadio en plus. Ah oui bah oui, vu que ça a tiré beaucoup je pense que... Ça se tire encore dessus. Ah oui, oh, d'accord. Mais c'est vrai quand on est parti... On avait un groupe arrivé. Ils étaient tous habillés pareil avec des bérets. Oui. Imagine que c'est un petit lien. On est parti pire à ce moment-là. Et ils avaient l'air monté vers l'église, je crois, à un moment donné. On était avec mon collègue devant. Exactement. Enfin, mon collègue, un ami, justement, on était devant le cabinet. Vous avez monté, on s'est dit, tiens, la première fois qu'on voit ces dames. Ah bah oui, tout à fait. Oh, c'est... Là, on était à Valentine. Et sinon, on est beaucoup du côté de Strawberry. D'accord. À la base. Et moi je suis arrivé à Blackwater. Vous êtes arrivé où, Marie? Saint-Denis. Moi, personnellement, quand je suis arrivé dans le l'état, je suis arrivé à Annesburg et le soir j'étais ici. Voilà, donc ça fait 4 semaines que je suis là. Ah oui! Ah oui, d'accord. Ah, ça fait une petite trotte d'Annesburg en plus. C'est traverser la région. Là.
Il venait d'où, il a dit? Annesberg. C'est au nord-nord-est. Ah oui. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas la carte en tête. Nord-est, oui. Et oui, il y a mon copain qui est venu me dire « Il t'entend pas, effectivement, il m'entendait pas. » C'est un léger backseat, j'avoue, mais... C'est pas rien. Ça va, t'as fait pipi? Oui. T'as fait pipi urgent. Oui, ça fait du bien, par contre, ça passe. Ça fait pleurer Pauline. Bah là, j'ai fait pleurer toute la famille, je vous le dis. Faut que ça reste, sans cartouche n'est plus là. Il serait fait caca dessus, je pense, la cartouche. Ah oui? Oui. Ça lui arrive souvent. De se caguer dessus. Oh. Oh. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, nous on n'est pas blessés. Oui, oui, oui. Ok, vous savez où est le docteur? Il est juste... En face de vous. Ah, bah non. Non. Alors, il y a un petit problème parce que on l'a vu il n'y a pas 30 secondes. Ok, il a dû se faire souffler, c'est rien. Ah oui, voilà. Il était sur son cheval, c'est ça? Tout à fait. Ok. Il y a oui. Souffle, c'est rien. Okay. Vous êtes guérif ou vous êtes médecin? Je suis médecin. D'accord. Bah, j'ai cru comprendre qu'effectivement il y avait des blessés là-bas, mais qu'il fallait attendre les shérifs. Ouais, que là, il n'y a pas un seul shérif. Il n'y a pas de shérif du tout? Non, il nous a dit tout le monde est parti. Il y a les autres comtés qui vont venir, quoi. Voilà, et ils attendent de l'aide de Valentine. Ok. Mais tant que. J'ai cherché des shérifs à Blackwater, je les ai pas vus, ils doivent être en patrouille. Bah, oui, ah, en plus là, ouais. Non, c'était à Valentine qui n'était pas là. Ah, mais oui. Bah oui, mais du coup, à Valentine, on sait où ils étaient, puisqu'ils étaient sur le chemin, on les a croisés. Mm. Bah, Blackwater, je me disais qu'il y en aurait peut-être, bon, ça veut dire que... Putain, par contre, c'est grave, parce que si c'est lui qui a noté les emplacements des victimes, et qu'il a... Il s'est fait souffler... Ah oui, parce que ça va être que lui, puisqu'il a dit qu'il était seul médecin. Ouais, forcément, donc du coup, on n'a plus l'emplacement des victimes exact. Ça fait 10 minutes que tu entendais rien, je croyais que c'était moi qui parlais. Je croyais que c'était toi qui parlais pas, c'est moi qui mutais. Bah bravo hein. Bah cache-cache, bah en fait on est obligé, c'est du RP, on est en fier RP. Oh. Ouais, doucement poney. Oui. Pas trop près. Coucou hein. Attendez, très grand. Il ressemble au mien, mais en plus grand. Ah voilà. Oui c'est vrai. C'est quelle espèce le vôtre? Il est joli. Et bonjour. Oh bah c'est le parfait. Ça va pas tort. Campbell est en rouge. Oh bah maintenant il faut qu'il pleuve. Oui, ça va être parfait. Je sais pas le compte exact de blessés, je pense qu'on fera le tour. À 10. À 10 et dans tous les cas c'est autour du salon. J'ai 0 shérif. Oh bah heureusement qu'on est parti. Oui hein, le timing quand même. On l'a senti. Ah c'est vrai que mine de rien, quand j'ai vu tout le groupe arriver, je me suis dit bon mais peut-être qu'on reste pas dans le coin, même si bon, ils avaient l'air, je sais pas, ils venaient tous d'un coup. Dans ce cas, on va attendre Valentine. Parce que parler moins fort. Général, voilà. Ça pue du cul, quoi. Oui, oui, exactement. Ça pue du. C'est pue du derche. C'est bien dit, ça. On va se prendre un éclair avec tout ça. Oh là là. Au loin. Au loin, je vois les éclairs qui s'abattent. Oui, pas, pareil. Vous savez qui c'est? Les Dalton contre les locaux. Ah, super. Ah, oh, c'était eux, les Dalton, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Ah, y'a plus personne là. Ils sont tous couchés. On sait qui a gagné. Les locaux ils sont pas beaucoup, vous savez, ils sont 5. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on avait toute la famille, là. Oui, Irma, Diego... Je pense... Ah bah voilà. Moi, j'espère qu'ils vont bien, parce qu'ils étaient sympathiques, les deux. Safe, je pense que dans tous les cas, de toute façon, ça va être ici. Et après, j'ai encore des chevaux qui sont appelés là-bas, donc c'est qu'il y a encore du monde. Ouais. Ah, je pense qu'il y avait des civils après, aussi. De toute façon, au niveau des soins, on va se mettre au saloon. Et s'il y a trop de monde, on va se mettre à la gare aussi. Donc ça sera là où il y a les blessés. Ça marche. Après, ouais, on n'a plus encore de...
Campbell arrive. Ah oui. C'est beau de les voir arriver comme ça. Trop de charismatique. De charisme plutôt. Oui. On est trois. Parce que plein de charismatiques, je sais pas si c'est trop dur. Bah, trop de monde, il y avait au moins 10 blessés là, je pense. Oui, il y avait du monde. Moi je parle pas fort en fait, il m'entend. Ouais, je sais, mais bon, je savais pas qui est. Puis bon, en fait, de quoi je me mêle. Et c'est un info, vous inquiétez pas, je fais un rapport. j'ai vu comme quoi les chats de Valentin étaient en route. C'est ça, et donc on les attend. Ah! Le genou avec tout ça, moi. Ça a tiré juste avant, là j'ai eu un mal de tête affreux, mais juste avant il y avait encore des blessés. Et après on n'entend pas de ça tire d'ici. Ok, bah on avance pas. Petit ouais. Temps, venez écouter nos plats dans le salon d'Alasbourg, Emily. 10, 5, 2, 15. Ah oh oui, moi aussi j'ai des jumelles, je vais essayer, tiens. C'est vrai? Faudrait que je m'en achète. Alors ça se bat des jumelles. Non mais il glisse. Mais oui, j'en ai vu à. Moi c'est aussi pour ça que à Valentine. Il n'y en avait pas pendant un moment. Un renfort. On va se prendre un cheval dans la tronche, je pense, à un moment. Ah bah ils sont là. Waouh. Bonsoir. Bonjour. Monsieur. Vous savez s'il y a encore eu les tirs ou pas? Non. Ok, on va aller voir. Non. Non, ils vous en faites pas. T'as vu, je l'ai là. Oh putain, j'ai tracé la vache. Je sais pas comment utiliser mes jumelles. Ah, comme ça. Oh là. Je te vois en très grande. Tu as l'air dubitative. Quoi? Je te vois en très grande. Bon, déjà que je suis pas... Bah, au moins tu me fais grandir. Ah, oh, t'as les yeux bleus, j'avais pas remarqué. Ça fait plaisir que tu remarques. Alors, des buissons. En fait, des jumelles accroupies, c'est pas faux. J'en doute pas, tu dois voir que de l'herbe. Oui, exactement ça. Bon, je vais me lever. Oui, oui, c'est le seul. Il n'y en a pas, il y en a même pas plus mal. Moi, je vois bouger, mais c'est que des chevaux. Je pense qu'ils sont tous couchés là. Oui, à force. Hein. Il va venir pas manquer de balles. C'est vrai. Ça sonne en radio, ça sonne. Corma. Les shérifs, ils ont quand même un style bien marquant, je trouve. Oui. Effectivement, on les reconnaît. C'est très pratique. Oui. Oui. J'aurais mal John s'habiller comme ça. Ah, il s'appelle John. Mon mari, oui. Ils reviennent. Ça veut dire qu'ils sont pas fait tirer dessus. Ils ne voient pas tout le monde là-bas, donc les marshals sont restés. Ils discutent juste avec une personne, et dans pas longtemps, ça sera bon pour vous. Ils sécurisent juste le truc, et voilà. Nous, on doit s'écarter un petit peu parce que personne ne nous voit, donc
Du coup, voilà. Si vous avez besoin, vous mettez un fumigène. Voilà, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de shérifs là-bas. Il n'y a que deux marshals, donc... Ils vont déjà partir. De toute façon... Je crois. De toute façon, on reste pas loin. Donc on va non, juste j'ai pas de Marie en RP. Colline, on s'éloigne un peu, parce que vu qu'ils ne voient pas beaucoup de monde. Il y a une grande gueule. Hein. Comme ça, on ne gêne pas. Ils ont un peu fait... Ils ont fait strict minimum, non? De quoi? Ils ont fait strict minimum, non? Genre, je crois que j'en fais ça du minimum. Ben, les trois peuvent déjà y aller pour le moment. Il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de voir tout le monde. Je sais pas si ils vont pouvoir vous voir. On a du Marshall et un ou deux chéris de côté pour la circulation. Désolé. Mais merci, je vous garantis pas que vous allez pouvoir. Et ben on va essayer. Voilà. Par contre, je trouve que c'est un peu léger. Dans le cabinet, je crois. Et nous on fait quoi? On va faire une prière. Retourne à l'église. Je pense qu'on peut partir en vrai, ils nous ont abandonné. Oui, je pense que maintenant, si ils sont à cheval. À cheval. Allez, mon petit Vic. Mais bon, je me demandais si la petite Irma, elle allait bien. J'aurais bien aimé savoir. Ouais, mais je sais pas si on le saura. Je vais demander si je peux peut-être aller simplement demander si elle va bien. S'il me dit que non, bah on y va, et puis sinon... Si elle te dit que oui, on y va aussi. On y va, mais en se cachant. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous êtes de Armadio? Pas du tout. Ah non, justement, on était juste en tourisme. Alors ceux qui ne sont pas d'Armadio, si c'est possible de vous éloigner un peu plus, parce qu'on a vraiment beaucoup de monde. D'accord. Et il y a beaucoup de sable. Si vous avez la possibilité d'éventuellement monter sur Blackwater en attendant et de revenir d'ici une petite demi-heure. Je pense pas qu'on va revenir. Oui, ou ne revenez pas, hein, c'est bien aussi. Oui, c'était bien aussi. Disons que ça fait, voilà, c'était la première demi-heure dans la ville. Au revoir, bonne soirée. Attends, je regarde juste là. Oh, mais c'est... US Marshall. Oh, mais je crois que je connais. Et bah si vous n'êtes pas d'Armadio, je vais vous inviter à faire demi-tour côté Blackwater, il y a beaucoup de monde et beaucoup de sable, c'est un peu compliqué de se voir. Il y a une fusillade, donc le mieux c'est de s'éloigner d'Armadio pour le moment. Par contre, il y a du monde là-haut. Faire leur boulot. Oh. Et ben, allez, je suis descendu, j'ai pas voulu. Mais c'est pas sûr que... Et bah à la limite, si vous pouvez qu'on tourne un petit peu, parce qu'en plein milieu d'Armadio, là c'est vraiment compliqué. Voilà. Il est pas causant. J'aurais dû monter sur ton cheval en fait. Je suis sur mon cheval. Oui, mais moi j'aurais dû. Ah. T'as la lampe. Mais tu peux toujours le faire cuire. Oui, c'est vrai. Alors, tu vas aller où? Il est là. Hein? Ah, tu le vois pas? Je voulais juste savoir où tu voulais aller. Ah pardon, j'ai pas compris. Ah mais j'ai vraiment rien compris. On va réussir. Bah je sais pas du coup. Parce que... qu'est-ce que c'est ça? Bon, pour monter sur Blackwater si c'est pas trop loin après. Après bah, si... Comment... Mais bon, bah c'est vrai que ça écourte un petit peu la soirée, quoi. Bah oui, ça a mis un peu d'action. Il y a du monde. Ah, mais c'est les... Il parlait fort. Extrêmement fort. Mais on va pas les prévenir. Non. De toute façon, ils ont fait que le strict minimum. Ouais, on a fait un tour, c'est bon. On vous laisse. On n'a pas vu tout le monde par contre, hein, donc on n'est pas sûr. Mais bon, ceux qu'on a vus, est blessé. Hein. C'était bien le sol, quoi. Ah là, par contre, oui, il pouvait rien faire. Hein. Ouais, mais il a quand même avoué qu'il avait pas vu tout le monde, donc bon. Ils avaient du sable dans les yeux. Oh, j'espère qu'on va se faire rattraper par... Ah, le cougar, j'avais pas pensé. Et si on passe par Blackwater, peut-être qu'on aura moins de... Est-ce que c'est pas le même chemin? Bon, on verra bien. Au pire, je galope. Oui. Big galope. Moi, je galope pas, mais...
s'appelle comment le cheval? Bic. Bic. Oui, moi je me suis pas cassé la tête, je comprends pas. Mais je comprends. Quand j'ai eu mon cheval, j'avais pas comment l'appeler, j'ai appelé Minotte. Oh. J'appelle constamment Bijou. Oui, voilà. À la seconde où j'ai eu le cheval, où j'étais dessus, je l'appelais Bijou naturellement. Non, mais bon, au moment mais où il fallait le nommer, bah c'était pas le bon. Moi je le nomme pas, bah je l'appelle pas, je le siffle donc. Oui, c'est vrai. Ou c'est vrai qu'en fait ils s'en fichent. Bah c'est ça. On va appeler Raymond, il dirait rien. Au pire. Jean-Hugues. Jean-Hugues le cheval. C'est bien dégueulasse. Bah c'est. Bah ça c'est. Pas... Si j'ai un mal, je l'appellerai comme quoi. Ça. Hors de chevaux, Jean et Eudes. Oh non, ça irait bien un âne. Jean-Eudes ? Oui. Bah Cartouche il avait un âne au début. Oui, j'ai. Alors, j'ai failli avoir un âne aussi. Grâce à l'aide d'un ami, j'ai pu payer mon cheval et j'étais bien contente. Parce que bon, l'âne apparemment. C'est. Ouais. Ah, ça, ça fait du bruit, hein. Ça, c'est pas rapide et puis ça fait du bruit. Ça crie tout le temps. Sympathique, hein, mais ça crie tout le temps. C'est bête, quoi. Ah, moi, j'aime bien les ânes, mais bon. Pas très discret, quoi. Là, par exemple. On aurait été cachés dans les forêts, bon bah l'âne il aurait hurlé quoi. Pas trop envie qu'il alerte tous les couillards de la région. On va éviter. Déjà qu'on l'a échappé belle. Ah mais j'ai pas compris ce qui se passait au début. Mais oui, ils sont arrêtés, mais vu qu'on faisait nuit, on voyait rien. Bah c'est ça, j'ai vu mon cheval se décaler. Et d'un coup je vois une grosse pépette. Ce qui est bien, c'est que là aussi il fait nuit. Bon, c'est pas très bien quoi. Si je pourrais éviter de croiser un couleur ou un ours ou un ouragan. Ou de rentrer dans. Tant pis pour lui. On a dû partir vite. Alors on est parti vite. C'est lui qui veut rentrer dedans. En vrai, je sais pas. Mais je plaiderai en ta faveur. De toute façon, ils ont autre chose à foutre, ils vont pas nous poursuivre. Oh, finesse. Oh, bah non, je pense pas. Mais oui, c'est vrai qu'on va croiser du monde en sens inverse, je pense. Alors, je sais pas, j'ai. J'essaie de retourner la tête vite, mais j'ai pas pu voir. Oui, il y a des médecins pas loin. Sans je sais pas, c'est bon. Ah non, et non, arrête, j'espère que j'ai pas pu. J'en fais rien. Elle va mettre une prime sur ma tête, ça y est. Je viens déjà d'échapper à une fusillade, si on pouvait échapper à l'arrestation, ce serait bien. Ça, c'est cool. Ouais, j'en ai esquivé des choses aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que... Oui, mais avec le cheval, vrai. Toujours, hein. Toujours. Le cheval... Le c'est lui qui porte malheur, en fait. Partout où il est, il se passe des choses. Oh non. Oh lolo. Là, ah, c'est con, j'aurais bien vu la fusillade de près, moi. On connaît, c'est trop cool, ça. Ouais. Ah oui, je travaille là-bas, je les croise souvent. Ah d'accord, ah mais c'est là-bas. Oui. Youyou Bandit. Oui, j'ai même... Non, c'était pas le shérif, c'était un habitant là-bas. Mm-hmm. Mais à mon arrivée, il m'avait offert un plat. Et Sympa. Oui, c'est très gentil, hein. Mais je lui ai mis une patate en retour. Oh bah... Et à chaque fois, je fais du mal aux gens. Du coup, tout le monde reste à 150 mètres de moi. Ah mais alors, quand je suis allée me faire recenser, mm-hmm. Le jour de mon arrivée, l'heure de mon arrivée même, hein, les shérifs m'ont demandé d'enlever mon chapeau. Bon, j'avais un peu des rhumatismes, j'étais plutôt... Voilà, j'ai pas fait le... Bon, bah, j'ai étranglé le shérif. Alors du coup, c'est lui qui m'a mis une patate en retour. Mais au moins, j'avais plus de chapeau, il était par terre. Du coup, le shérif, il l'a pris. Voilà, oh, non. C'était ma première expérience avec les shérifs de Blackwater. Oh non. Bah oui, bah du coup, c'est Maurice. Les shérifs sont là-bas. Ah bah oui, il y avait des gens devant le salon. Ah ouais. Mais bon, j'ai cru, oui, j'ai vu du monde là. Il est où le salon? C'est là avec les trucs clairs. Oh, bah, oh. Ah bah. Ah, c'est ton cheval, hein. Mais non. Bonjour, ça va bien? Eh oui.
être bon, être témoin, oui, être bon. Oui, merci. Ah, bon, je suis pas déçue. Parce que j'ai cru voir quelqu'un tomber quand même. Non, non, être moi, mais... Oui, être joli, oui, être bon. Pas de problème, moi, elle est bien, être très contente, oui. D'accord. Ah bah ça va. Ah, je comptais demander à toi et à Kashina. Elle va être contente. Oh, regarde là-bas, à droite. Oh, oh, je suis trop contente, merci. Mais ils fait comme toi. Non, merci à toi. Avec le shérif. Ah, c'est contagieux. Ouais, je viendrai à la bagarre. Oui. Bon, ça tombe bien, on est... On a si vous voulez vous amuser, messieurs, allez à... Armadillo, ça a pété de partout. Ils sont pas... Tu peux t'afficher. On en avoir besoin ? Non, non, pas en avoir besoin, moi, mais... Tout à non, messieurs. Je pense que... Non, bah, regarde. Messieurs, évitez de vous approcher du cheval, juste, hein. Oui, oui. Il est très nerveux. Il oui, très nerveux, hein. Surtout lui avoir problème avec Arosa tout le temps. Ah oui. Oui, bah le mien il aime bien en mettre aussi donc. Oui, bah. Oui, restez loin. Je... Bonsoir mesdames. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh, on dirait le monsieur de Amardillo. Ah bon oh, oula, je crois que c'est une insulte. Non, oh, ah, ah non, pas du tout. Ah non, ah. J'aime beaucoup les gens d'Armadillo. Loin de là, loin de moi l'idée de prendre ça pour une insulte. Bon, on, ah, a eu, on en vient à une très grosse fusillade. Ah bon? Oui. Oui. Beaucoup beaucoup de blessés, on nous a dit, on y était, on nous a dit d'évacuer la zone parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de blessés. Ouais, c'est mieux quand même parfois de faire attention. Oui, oui, nous on a dû, bah, c'est la première fois qu'on allait là-bas, bon bah... Je pense à la dernière. Je vois pas. Ah, j'espère bon, quand même non. Que Irma va bien. Irma, la petite dame du saloon, ça oui, je crois. C'est ça. Je me pas. Ouais, oui, ouais. Oui, on est parti du saloon, on a fait un petit tour, ça a commencé à péter tout partout, il y avait des clans. Ouais, bah ça arrive, hein. Ça arrive. C'est voilà, l'ouest sauvage. Ah bah on l'a bien senti. Ah oui, c'est vrai. On l'a bien senti, hein. On est parti juste à temps. Ouais, mais ouais. Justement, bah faites attention, bienvenue à Blackwater. Oui, là ça va. Blackwater, je connais mieux. Tant mieux. Tant un peu plus calme. Ah, mesdames, excusez-moi. Je... Monsieur, ouais, monsieur. Non, faites. Ah, très cher. Tu voulais te changer, non? Ah mais justement, oui, je bon. De, mais je vais peut-être avoir froid comme ça. Elle reste assez bah, je crois que je peux me changer là-haut. Oui, je sais bah, plus. Je peux t'en profiter pour manger quelque chose. Alors du monde devant, mais y a personne dedans. Bonsoir Billy. Y'a Billy, il est sympa, il écoute beaucoup. Il répond pas beaucoup. C'est mieux quand un homme ferme sa bouche des fois. Alors on va mettre la petite veste. Vous m'avez ralenti en deux. Je vais me changer. Après, direct. On peut changer ça. Oui. Oh, elle est de place. Oui, sympa. C'est la chambre que je prends des fois quand je dors ici. Attends. Oui, alors tu vas trébucher encore. Oh, bah, y'a rien dans le tiroir. Ouais, avec la petite veste parce que ça sera fragile dehors. J'ai mon petit poncho. Ah, t'as un poncho ? Oh bah oui. Un poncho. Un poncho. Denise a fait chaud. Ah bah écoute, il y a un monsieur qui est intéressé par Denise en tout cas. Yeah. Ah oui. Quoi ? J'aime bien, mais... Il est très sympathique, mon poncho, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est que... Déjà, la sortie en disant « Yiha, ça me fait rire. » Et puis... Attends, je vais bien me mettre en face. Mais... Quoi? Il y a des lunettes aussi? Bah, j'ai toujours des lunettes. Ah, pas, tu les avais pas avant. Je les ai perdues, oui. Ah, ça fait bizarre. Frapper. Pourquoi? Je sais pas. Bon, disons que ça m'a surprise. Non mais vas-y, c'est parfait. C'est bon, j'ai compris. En fait, il y avait beaucoup de changements d'un coup, tu sais, à mon âge. Ça vous a perturbé. Exactement. Et regardez pas mes coucoutes. Tu regardais pas mes coucoutes. T'inquiète pas, j'en ai vu plein des coucoutes.
rigoler de mes lunettes. Non, mais il était bien le pocho, hein. Tiens. Attendez, j'en ai un. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah oui, d'accord. Je suis fait d'or. Oui, tu brilles de mille feux. Oh mon dieu, ça se tape partout. Oh non, mais c'est pas possible. Ah, attends, j'ai la boue sèche. Oui, moi aussi. On s'en fout, c'est un truc. T'emmerdes pas. J'en fous, n'importe quoi, t'arrêtes pas. On peut juste bien nous. T'as pas de problème. Ah oui, jamais fait encore. Voilà. Allez, go. Tu Allez, demandez. Je suis sûr que c'est toi qui m'achètes tout, mettez à la framboise. D'accord, d'accord, très bien. Sors le sélecteur. C'est un peu nul. Mais bah, excuse-moi, je suis un petit peu tendu. Hein. Je t'ai pas signalé qu'on a vu des choses un petit peu compliquées. Oh non, oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça, ça t'ouvrit? Ah, comment t'as fait pour prendre toutes les cigarettes? Ah, t'en avais plus? Oula, j'arrive. Ah, t'en avais plus. Ah, d'accord. Bon, putain, il va falloir que j'aille me racheter. Ok. Ah, ouais, ouais, je vois ça, ouais. J'arrive pas à m'arrêter. Ah bon? Bon. On va aller voir. Ah. Marie, il va falloir que... Non, mais qu'est-ce que... T'es déjà folle, Marie, là? Ça va pas, hein? T'appelles ton cheval pour le frapper? Oh, mais oh! Il m'a rentré dedans. J'ai volé. Tu cherches pas un peu, quand même? Pourquoi t'as fait ça quand on est dans une ville tout le temps? Ouais, je vais mourir, c'est pas possible. Donc, je vais boire un coup, moi. Ouais. T'as un de t'accroupir, hein. Comment allez-vous? Oh, je me suis fait percuter, quoi. Continue à jouer du piano, quoi. J'espère que monsieur champion ne remplit pas trop vite vos stocks. Oh non, ça va plus vite, en tout cas, pour l'instant. C'est une soirée compliquée. J'espère que pour vous. Oh, j'ai l'impression que pour nous deux, non? Comment? Excusez-moi, messieurs, je vais juste prendre un petit verre. Mais tout le monde parle en même temps, j'entends rien. Faut l'avoir belle, hein. Bip bip. Dites-moi. J'espère que vous n'aurez pas à grandir la chambre froide après avoir embauché champion aussi. Ah bah j'ai déjà prévu de lui mettre un petit coup. Oh là là. Du coup, si oui, c'est prévu. Voilà. $300 d'investissement. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Après la licence, voilà encore un investissement plus là. Ah bah quand on engage un champion, faut y mettre le prix. Hein. On n'a pas entendu un type. Le meilleur ouvrier de tout l'état, voilà quelque chose que vous ne regretterez pas, je pense. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'il fallait que je voilà. fasse Voilà. Ça va, Léo? Quoi? Ça va? Non, bah, tu te tiens là. M'éloigne un peu. Non. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il a? Regarde, il vomit! Oh bah non! Oh non! Oh non, mais si la bouffe d'ici elle est dégueu, je vais pas manger ça moi! Ça pas, il a pas mangé là, c'est autre chose, c'est une odeur. Oh, ah oui, oui, d'accord. Voilà, donc je pense que ça concerne pas la bouffe en tout cas. Ah bah j'espère bien. Non, je vous le garantis. Bon bah je vais manger là-haut moi, parce que ce... Est-ce que ça sent le vomi ici? J'aime pas manger quand ça sent le vomi. C'est pas très bon le vomi. Ah, c'est une des deux qui a lâché une. Mais comment ça? Mais vous êtes malade! Ah, d'accord. Eh ben voilà, mesdames, vous avez la réponse. Ah, j'y crois pas. De quoi? Je sais que j'ai énormément de qualité avec. C'est une soirée beaucoup trop compliquée. Mais... Ouais, je suis sûr que s'il y en a une qui se lâche. Hein. Ouais, c'est parce que t'as mangé, c'était pas chez moi que je t'ai servi ça, je te le dis. Hein.
quel accueil. Bon. Ah, voilà. Oh, bah, va falloir que t'en rachètes maintenant, c'est bien. Compliqué là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là pour. Non, arrête de faire ce jeu, mourir vraiment. Je suis malade comme un chien, c'est horrible. Ah oui, oui. J'ai peur que ce soit contagieux. Non. Jure. T'as pas eu le choléra là-bas là. Non, j'espère pas. C'est pas, hein, on a vachement de chance ce soir. On a vraiment beaucoup de chance. En plus, ça lâche des flatulences, ils nous accusent. Oui. C'est quoi ça? C'est connu, en tant que femme, nous avons pas de flatulence. Exactement. On a trop du cul bouché. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, pfff. Ah, il est tard. Moi aussi. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, mesdames. Hey, bonne soirée, hein. Ouais, ouais. Oh là là. J'en peux plus, j'en pleure. Je comprends pas, je crois que je vais aller dormir parce que là. Je comprends. Sinon, je vais mourir, hein, vraiment. Oh non, la meilleure fois. On a échappé à une fusillade et à plein d'autres choses. Une flatulence toxique. Et une flatulence. Une fusillade et une flatulence. Même combat. C'était plus. Oui, ça va pas, hein. Et des flatulences, ça arrive à n'importe qui. Hein. Espèce de gredin. Quoi? Gredin. Gredin. Oui. Attends, j'ai soif. Ah. Quel monde d'enfant. Attendez, je suis encore soif. Ah. Non, qu'à chier, non. Tu passes pas par la bijouterie pour dormir. Oh, bonne question. Un endroit où on ne accusera pas de péter sur tout le monde. Je pense que je vais faire mon retour sur Strawberry et aller. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée, oui. Je vais te faire ça aussi. Bon, ici on peut appeler les chevaux sans risquer de tuer quelqu'un. Normalement. En plus, le mec est nerveux là, il m'a rentré dedans, il m'a pas respecté. Oui, c'est vrai. Ouais, la bière a été un petit peu forte, je vois tout violet. Ah, comment ça vous voyez tout violet? Bon, je sais pas. C'est bien que je conduise pas. Oui, j'ai pris une bière. Ah. Bonsoir. Ah oui, j'avais oublié que c'était... Oh, pas bonsoir. Ça leur ferait un deuxième trou du cul de répondre. Oui, c'est vrai. Alors deuxième trou du cul, c'est-à-dire qu'à nous péter-tu. Après ils nous accusent. Après ils nous accusent. Ça assume pas. C'est plus que c'était les hommes. Mais c'est vrai, hein. Puis ça vomit pour ça en plus. Nous, on a nature, là. Dans le nez et Ouais. Et hop, j'ai joué du piano. Il est super bien joué. Oh non. Wouhou. Bon. Faut que je me calme parce que. On sait pas qu'il se passerait tant de choses ce soir. Mais c'est toujours comme ça quand y a personne. Oui. Faudra un petit harmonica pour t'accompagner quand tu fais le cheval. Ça, ça t'occuperait. Carrément. Oui. J'ai pas d'harmonica. Oh, j'ai une petite flûte. Une petite flûte? Ça peut être un ocarina. De quoi? Tu vas faire la macarina, t'as dit? Oh. Ah bah c'est pas facile, parce que bon, je suis obligé de te tenir d'une main et de jouer de l'autre, alors c'est pas facile. Mais T'es pas obligé de jouer, t'inquiète. Je sais très bien que ça te ferait tant plaisir. Oh mais non.
Allez, attends, je suis sûr que je peux y arriver. Allez. Alors. Allez, dépêche-toi, cheval. Oui, bon, bah là, avec une main, c'est pas facile, mais avec deux, oh, c'est poétique, hein. J'en doute pas, Denise. Je peux te dire que ça fait fuir les cougars, ça. Ah bah, il fallait le faire avant. Oui, c'est vrai. Par contre, les chevaux, ils ont pas l'air d'aimer. Je comprends pas pourquoi, hein. Bon, oui. Quoi ? C'est compliqué, les chevaux. Oui, ils aiment pas les... tout ce qui est bien. Exactement. Ils aiment pas ce qui est bien. Oh là là, fatigué ton petit canasson. Oh là là, mais quoi, c'est bien, tu vois, fatigué sur moi. Allez, ça dégage. Ah, il y a une grosse soirée. Bon bah voilà. C'est Rick qui plaisante. C'est bien maintenant. Allez, du balai bic. Du balai bic. Bon, et ben voilà. Pas possible, hein. Il n'y en a vraiment pas un dans la famille qui sait y faire avec les chevaux, hein. Et compliqué cette soirée, hein. Il y avait du sang partout. Oui. J'espère qu'il y a quelqu'un chez les médecins. Oh. Les abdos. Bonjour. Eh, hey, salut petit Woody. Eh, hey, bonjour madame. Ça va bien? Oh non. Oh, j'ai... un canon, hein. J'ai une patiente, là. T'as dit vous arrivez du nord, du coin de Big Valley, c'est ça? Ah non, pas du tout, j'arrive du sud. J'arrive de d'Armadillo, et puis après de... Il y a une grosse fusillade à Armadillo. Et puis après, ouais, on a des tablettes water. Et là, on allait ici. La petite voulait rentrer ici, mais bon, vu qu'elle s'amuse à frapper son cheval, et ben lui, hein. Sauf que lui, il est plus fort. Ah. Vous avez appuyé sur la sonnette? Ah oui. En moment. Je sais pas s'ils vont avoir le temps de venir, parce qu'en ce moment, il se trouve avoir une fusillade juste en haut de Strawberry. Ah aussi? Oui, aussi, ouais. T'as choisi ton jour, Miss, hein. J'espère pour elle qu'ils vont venir, qu'ils vont passer ici, là. Elle veut dire, je vais envoyer un télégramme à un docteur que je connais, comme quoi... Ah bah oui, parce que moi j'ai plus aucun contact maintenant. Ok, d'accord, je fais mon possible. Oh bah c'est bien gentil. Bienvenue. Je crois que je vais te lâcher quelque part dans le coin, hein. Pas une... Ouais, bon, voilà. Et je te mets à côté de la chaise. Ah, ce que je peux, hein. Ça veut pas. Oh, je te mets à l'air frais. Alors ça m'a un peu échappé, j'avais pas prévu de... Bien. Ça, alors il paraît que ça remet. Tu prends un coup sur la tête, t'en reprends un autre, ça va mieux. Ah, je crois qu'elle est chanceuse, hein, je viens de voir un médecin. Ben tu vois, t'es chanceuse. Vraiment chanceuse, hein. S'il vous passe en premier, vous êtes vraiment chanceuse. Oui, il dirait ça quand elle va se réveiller. Oh, pardon. Oui, il y a qu'elle est chanceuse. Oh, elle se souviendra pas de comment je l'ai lâché, du coup. Ah, ça va juste lui dire qu'elle est chanceuse. Je viens de voir les médecins, mais je sais pas si sont. J'ai averti qu'il y avait quelqu'un dans le cabinet, mais je sais pas si on allait voir la fusillade ou pas. Ah oui, ça serait, d'accord. Ça serait vraiment con si on fait ça là. C'est compliqué cette histoire. Ben oui, ils sont partis. Ben oui, il y a plein de fusillades à cette heure-là. Ben oui, ça se fait pas à cette heure-là, la fusillade, enfin. Ouais. Normalement, on sait très bien que les horaires, ils doivent être respectés. Les fusillades devraient toujours être à 9h le matin. Ben voilà, excuse-moi. Et voilà. Bon, ben, entre 9h et 18h, en tout cas. J'ai mon contact. D'accord.
J'arrive, hein. Ouais. Tu veux que je... Oh, je sais. Je pense à... Le moral. J'ai entendu dire flûte. D'accord. Je joue de la flûte pour toi. Laissez-moi mourir. Tu vois, j'ai appelé les médecins. Ils sont là, ils sont là. Mais grâce à moi, tu vas mieux. Bonsoir. Oh bah, on s'est déjà vu. Alors sachez que vous avez soigné tout à l'heure un de la famille qui s'est fait éclater à cause de son cheval, c'est le même cas. Ok, voilà, c'est pas grave, tout va bien. Attends, il manque une bédoffe. Sacrée méthode. Tout va bien. Super, bien. Super. Oui, ben, du coup, on va y aller parce que. Parce que là, votre collègue est déjà parti, les chefs ont suivi. Allez, let's go. Vous savez où c'est aussi ? Je vous donne ça. Pas de soucis. Excusez-moi d'être pressé. Il y a une fusillade un peu plus haut sur Strawberry. Bah oui, il y en a une aussi à Armadio, alors du coup, les médecins, ils sont pris partout. Merci. Bonne journée. Attention. Bonne soirée. Oui, merci, vous aussi, bon courage. Ça va ? On part. Oui, ça va. Bah, on allait se coucher ici. Enfin, oui, se coucher. On allait faire dodo. En tout cas, se poser ici. On s'en fout. Oui, non, même pas, elle a même pas attendu que je finisse ma phrase. Vous allez où? Attends, eh. Vous allez avoir ma mort, vraiment. Je veux bien vous hanter. Oui, bah, ce sera à cause du cheval, pas à cause de moi, hein. On boxe pas les chevaux. Enfin. Je voulais pas fuir. Je te fais fuir. Bon. Pas de galop dans la ville. Oui, bah oui, c'est dangereux. Oh non. Ça t'a aidé la flûte. J'ai joué de la flûte pendant que tu allais pas bien. Après, tout de suite, t'allais mieux. C'est vrai. Bah, vous avez... Il s'est posé très délicatement par terre aussi. C'est pas facile. Je vous fais confiance. J'ai mal au lombaire. Ah, ça après, l'arthrose et tout. Ah, bon, je suis allée dormir dans le bain. Je pense que j'en ai assez eu. Vous allez où ? Bah, du coup, ça m'embête puisque je peux ni aller au sud ni aller au nord. Pourquoi ? Bah, il y a fusillade en haut de Strawberry, oui. Et fusillade Armadio. Ah oui, c'est vrai. Que je voulais aller à Valentine. Mais je sais pas si je pourrais y aller. Je vais demander. Je vais peut-être aller dormir à Valentine. D'accord, bah, de toute façon, on a nos télégrammes. Oui, enfin. Donc, pour communiquer. Oui. Oui. Bonne soirée. Denis. Bonne soirée. À bientôt. Dors bien. Vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous avez des infos sur la fusillade au nord ? Ah, pas du tout. Ok. Moi, je vais demander. Non, on n'en a pas plus. Au plaisir de faire la frais avec vous. Au plaisir. Ah oui, bah oui. Moi, je vais attendre. Vous avez besoin de quelque chose ? Pas pour l'instant. Je crois qu'il nous reste 1000 bâtons. Donc, je pense que M. Grant avait commandé il n'y a pas longtemps. Oh là là. Il reste 500 de bois traité. J'ai mal au ventre, j'ai trop rigolé. Et des amis à vous qui étaient dedans ? C'est... Bah non, 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 enfin j'espère pas. Mais c'est que je voulais aller vers Valentine et je sais pas si je peux, si c'est sur le chemin ou pas. Ah non, Big Valley, c'est pas... C'est ah, c'est Big Valley. Ah oui. D'accord. On en revenait de Valentine. Merci beaucoup, Monsieur Wood. Oui, ça fonctionnait ? Oui, c'est bon, mon amie a remis et elle est partie se coucher. Là. Elle a besoin de se remettre les esprits en place. Vous y avez dit qu'elle était chanceuse ? Oui, je lui ai dit plusieurs fois. Parfait. Pardonnez-moi, madame, je vous ai interrompu. Oh non, pas de soucis. À une prochaine. Fuyez pas. Oui, comme une prochaine. Ça. Ah non, ouais, non, je fuyais pas, j'ai juste de. Comment dire dérapé. À la boue glissante ici. Oui. Oui. Et mouillée. Oui. Bonsoir, ce girl Pimousse. Ah non, on a juste vu les deux qui cherchaient les shérifs. Et puis après, les shérifs qui y sont allés, mais pas.
Ah d'accord. Pas d'informations. D'accord, parce que je reviens d'Armadillo, il y avait une fusillade aussi, alors on monte, puis on apprend qu'il y en a une un peu plus au nord. C'est Marie, trop cool. Bah normalement oui, ils sont à Big Valley, on m'a dit près du Y, alors... Trop marrant voilà, cette soirée. Il y a du monde qui arrive là. Oui, ça doit être... J'ai trop rigolé, j'ai mal au ventre. Ah c'est tu vois ma bouille. Merci, merci à toi, c'était trop bien, c'était trop marrant. Facile, très bonne nuit, j'en peux plus, mais moi, pareil. Ouais. Non, on était passé par Valentine et on nous a dit que ça avait chauffé aussi, mais... Donc je t'envoie un télégramme dès que je rejoue, ce sera ce week-end sûrement. D'accord. Ah d'accord. Bon. Oui, ça a compliqué, l'air d'être un peu bizarre partout. Oui. À cette heure-là, je m'y attendais pas. Ah, faut s'attendre à tout, surtout à partir de minuit, une heure, oui. Ah oui, d'accord. Et c'est là que... Oui. Les esprits s'échauffent. Bon, bah je pense qu'à Valentine, ça devrait aller. Bah, j'ai envie de vous dire oui, on est passé, il y avait rien, mais on sait jamais. Si bah, comme une malade, tous comme jamais. Pardon. L'important, c'est de faire attention. Puis si vous voyez trop de monde, faites je joue pas énormément en semaine. En fait, je joue lundi, mercredi, et après le reste, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un bon conseil. Oui, avant qu'il y ait la fusillade, il y avait du monde, et c'était une ambiance fort sympathique, mais bon. Ah oui. Il faut que je fasse gaffe quand je me démute, il y a une petite seconde. Je te parle, Mosef. Oui, j'avoue. T'as pu faire ce que tu veux ? Pardon. Bon, non, j'ai eu un peu mon dire. Et c'est quoi vos noms ? Moi, c'est Abigail Murphy. Ah, Abigail Murphy, je crois que je vous avais déjà croisé. Ah, c'est possible. Alexander Voromyov. Voromyov. D'accord. Et vous êtes ? Alexander et Abigail. Denise Duval. Enchanté, vous faites quoi dans la vie ? Oh, j'ai eu opportuniste. Non, à la base, je suis pêcheuse, mais vu que ça rapporte pas beaucoup, je regarde dans quoi je pourrais me reconvertir. Si vous savez manier la pioche, moi j'ai des idées. Ah oui, j'ai un peu peur pour mes lombaires. Vous avez vu que je suis plutôt jeune. C'est dommage, votre compte en banque s'en porterait très bien. Ah oui, c'est ce que vous faites ? Ah non, moi je suis armurier. Mais D'accord. Et bien pour le bon travail bien fait. Oh bah d'ailleurs, vous sauriez pas où on peut se fournir en arc dans la région ? À l'armurerie d'Annesburg. On en a en stock. D'accord, et moi je vais y aller. C'est tout ce qui est armes, munitions, demandez, on a. Oh super ! Oh bah c'est bon à savoir. Plus ça fait longtemps que je suis pas allé. Et bah excellent. Ça sera moi ou mon associé, si je peux dire ça comme ça, monsieur Grant. Qui me forme actuellement et dans une semaine il quitte l'état et moi je récupère le magasin. Ah d'accord. Ah bah c'est bon à savoir, bah j'irai alors. Excellent. Et vous mademoiselle vous faites quoi ? Oh, je travaille à la ferme de Billy. Ah la ferme. Mais oui. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'on avait déjà... Bon je rencontre beaucoup de monde alors forcément on oublie, mais je crois qu'on en avait déjà discuté. C'est possible. Ah c'était cool, mais oui. Même chose, on rencontre tellement de monde. J'ai adoré, mais c'est trop marrant, c'est trop marrant. Et puis là avec les nouveaux télégrammes, on re-rencontre plein de monde. Mais je vais essayer de jouer. Je vais essayer de jouer demain en vrai. Demain ou vendredi. Ouais. Oui, c'est vrai que. C'est vrai que vous devez faire du monde, oui. Ouais, je suis un peu dégoûté. Je vais choper des contacts, bons contacts avant mais oui la tempête et je dois les reprendre maintenant. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont. Et puis bon, voilà, leur système il est bien pratique, mais bon. Maintenant, Moi je trouve drôlement bien pratique, c'est juste qu'il faut, oui, faut retrouver tout le monde. Bah, c'est ça. L'améliorer un peu, oui. C'est qu'on s'était, dit dans la journée, j'avais quelques rendez-vous, on va dire, et bon, bah, c'était plus trop possible de se contacter, c'était un peu compliqué, quoi. Ah oui, c'est vrai. Faut reprendre, voilà. On va dire que ce qui est dommage, c'est que les anciens messages étaient perdus. Enfin, voilà, quand ils ont tout repris 2-0, mais du coup, on n'a plus nos anciens messages, ça c'est un peu dommage. Oui, puis pour l'instant, faut faire attention à ne pas vous coucher sans lire vos télégrammes, sinon vous les verrez jamais. Ah, ça je savais pas. Oui. Et est-ce que pendant que tu es couché, si on t'envoie des télégrammes, tu. Ah oui, tiens. C'est une question, ça. Oui, parce que ça risque d'arriver, ça, forcément. Ouais, j'espère, parce que. Ouais. Comment ça va être compliqué. S'il faut forcément être présent en chair et en os pour pouvoir avoir le télégramme à temps. Ça va vite être compliqué, je vais pas vous mentir. Si je dois passer des commandes, ils deviennent exigeants un petit peu, je trouve.
Ouais, exigeant là. C'est le temps que ça se mette en place, mais oui, oui, pour les commandes, enfin les gens qui ont des commandes, ça peut. Oui. Ouais, je pense que je vais demander. Ouais. L'envie. Oh, ça se fera. Oui, enfin, c'est le temps que tout s'équilibre et puis que leur système fonctionne comme il faut. J'imagine que ça met un peu de temps. Les postiers se mettent en accord. Mais bon, au moins je vérifierai bien mes télégrammes avant de partir, ça c'est sûr. Oui. Oui, c'est. Oui. En même temps, bon, j'ai plus beaucoup de contacts donc. Ouais, au moins il y a moins de problèmes de ce côté-là. Ah oui, il y en a certains, ils recevaient beaucoup de télégrammes, bon, ils sont un peu plus tranquilles. Oh, ça va vite changer. Enfin, ça va vite revenir à la normale. Oh, d'ailleurs, est-ce qu'il faut forcément nom, prénom, plus notre petit numéro personnel, ou simplement donner le numéro à la personne du guichet suffit? Simplement le numéro. Ah, mais c'est bien ce que je me disais, parce qu'on m'avait dit un peu. Mettez votre numéro, comme ça la personne pourra vous recontacter. Moi, je sais que par exemple, pour le docteur d'ici, Warren Campbell, ça prenait trop de place. Bah, Oui. On appelle Waban, j'ai mis Waban, ça va rien changer, quoi. D'accord. Juste mon numéro. Attends qu'on a un numéro, c'est bon. C'est ça. C'est pratique. Le numéro du correspondant. Ça, si Rose t'as envie de mettre petite Rose toute mignonne, tu peux, quoi, ça va pas changer. Ouais, mais ça, c'est dans le carnet de contact. Mais sinon, sur le Telegram, c'est ton nom que tu peux mettre. Oui. Ça, c'est juste pour, pour savoir qui s'adresse à toi, quoi. Bah, c'est petite fleur. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, c'est simplement d'accord. Comme ça, la personne sait qui l'envoie, mais c'est pas... Oui. Okay. Voilà. Oui. Et n'oubliez pas de mettre votre numéro en fin de Telegram pour qu'on vous réponde. Ah, c'est ce que je viens de dire. J'aime bien quoi tu m'écoutes. Désolé, non mais je vais passer minuit, je deviens con, n'oublie pas. Non, je n'oublie pas. Oh, c'est... C'est mignon. Au moins, j'oublie pas. Mets le numéro à la fin du Telegram. Mais deux fois plus insistant. N'hésitez surtout pas à mettre votre numéro pour que les gens vous recontactent. Ah, je vais dire à Woody que c'est toi. Oui. Ah bah tiens, j'y avais pas pensé, tiens. Numéro à la fin du Telegram, vous n'oubliez pas. Pas idiot, pas idiot. Ah, peut-être pas à chaque fois, une fois qu'ils l'auront enregistré, enfin s'ils l'enregistrent, en fait. Oui. À la fin, début, au milieu et entouré. Je télégramme. Cordialement. En gros et en gras, surtout n'oubliez pas mon numéro. Ça te raconte certaines choses. Ah, je d'accord. Faire ça. Avec une grosse flèche à côté. Ouais, si on a une petite encre pailletée là. Ça se fait, ça. Oh, ça doit, hein. Avec des petits. Et des petits trucs, des petits trucs qui brillent, ça doit marcher. Waouh. Oh. J'allais avec les petits bruits. Ça surprend. Vraiment précis, lui. Oh, il a plein de comme ça. Ah, mais c'est vrai. C'est Woody, oui. Il court partout, il faut vous. C'est Mr. Wood. Ah, mais Monsieur Wood n'a pas le temps. Je serais pareil à sa place. C'est vrai. Il co-gère la menuiserie de Strobel. Ah, maintenant il la co-gère. Ah bah c'est bien, la dernière fois que j'avais vu, il travaillait simplement à ramasser du bois, mais si maintenant il la gère, c'est bien. Bah je pense qu'il continue de travailler de ses mains, mais il était récompensé de sa présence, quoi. Ah bah ça doit être les shérifs qui reviennent de... Ouais. De quoi que ce soit. De la fusillade. S'ils sont allés aussi à la mairie, c'est qu'il y en a beaucoup, il n'y en aura pas assez de place au cabinet des docks. Ah oui. Ah, c'est mouvementé ce soir. Mais du coup, si vous êtes opportuniste, sachez qu'il y a beaucoup à se faire à Tumbleweed pour peu que vous soyez motivé ou que vous ayez des bras qui travaillent pour vous. Bah oui, mais si c'est pour lui casser le dos, c'est peut-être pas la peine. Ah, c'est dur. Si madame va embaucher des gens, si elle a les moyens, ça se fait aussi. À c'est à voir, mais je voulais un petit peu voir ça en allant déjà vers Armazio, mais bon bah... À peine une demi-heure après arriver, grosse fusillade... Fallait évacuer la zone, tout ça, donc bon... Ce sera énorme. Ça donne pas trop envie de rester. Bah c'est que bon, voilà, c'était difficile de discuter opportunité avec tous ceux qui étaient couchés dans le salon, ils répondaient pas beaucoup. Compliqué, oui. Mais c'est compliqué. Mais bon. Laisser une petite carte de visite et de leur demander de ne surtout pas oublier de penser à vous. Je dis ça, je dis rien, mais ouais, la mine de Tumbleweed, nous on rachète 3 fois plus que ce que vous donne le contremaître. Hein. Ah oui. C'est ça. Et c'est intéressant. C'est contraignant, certes, c'est pour ça que c'est aussi cher d'ailleurs, parce que le boulot est à l'autre bout du pays et assez contraignant. Hein. Mais à côté de ça, nous on est disposé à payer
Ah d'accord. Oh, bah, ça je note. Surtout que je sais que ça pourrait intéresser plusieurs personnes, donc c'est bon à savoir. Si voilà, je peux vous donner mes coordonnées, moi je suis intéressé pour des cargaisons de fer. Oh, bah, très bien, bah oui je vais prendre si ça vous dérange pas. Bien sûr. Alors dites-moi. Alors prenez des notes parce que si vous tournez pas de l'œil, vous aurez de la chance. D'accord. J'écoute. Alors mon prénom c'est Alexander, ça s'écrit A-L-E-K. Ah oui déjà. Déjà ça sent mauvais. A-L-E-K-S-A-N. Oui. D-R, y'a pas de E. D-R, ah oui. C'est pas comment. Comment ? C'est pas commun. Ah bah c'est russe, hein. Chez nous c'est commun. Ah d'accord, c'est russe, moi je savais pas. J'ai découvert récemment que ça voulait dire défenseur de l'humanité. Wow. Pour un armurier, y a quelque chose de logique. J'étais policier avant, donc c'est encore plus logique. Ah oui, d'accord. Et mon nom de famille, du coup, c'est Vorobyov. V-O-R-O. R-O, c'est ça ? B-I-O-V. D'accord. C'est noté. Et mon numéro, c'est CQ-799. Parfait. Voilà. Hop. Voilà, c'est noté. C'est bon, ça va. Voilà, si vous croisez du monde qui est motivé d'aller bosser là-bas, moi j'achète. Ok. Si vous aimez faire de la cueillette, oui, dites-moi. Des choses comme ça, bah nous c'est la ferme de Billy qui se. Oui, la ferme de Billy, vous avez du monde ? Vous avez besoin de monde ? Bah, on a toujours besoin de petits bras. Monde motivé. Ouais, d'accord. Elle est où cette ferme ? Elle est sur la route pour aller à Valentine. Juste au-dessus du trappeur. À côté de Valentine. Alors, à côté de Valentine, ah oui, du coup, c'est plus beau. Ah oui, d'accord. Ah. Vous voyez le trappeur ? Alors, je crois que j'ai vu le trappeur. Oui. Du virage de la Dakota. Oui, oui, oui. Et bah, on est juste au-dessus, là. C'est la aller sur Valentine. D'accord. La maison avec la grange à côté, oui. D'accord. Ah oui, d'accord, je vois très bien. Ah bah je savais pas que c'était occupé. Ah oui, ça fait 3 mois. Oui. Bah c'est parfait, c'est bon à savoir aussi. Oui, si vous aimez cueillir des plantes, ou travailler un peu dans la ferme, ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, si vous pouvez leur parler à la limite de moi, ou un des Billy, comme vous voulez, donc Abigail Murphy, et je suis joignable au EZ892. Alors, je note EZ. Vous dites-moi EZ 892. Ok. Et bon, parfait, c'est noté aussi. Voilà, parce que des opportunités. Exact. je vais prendre le vôtre, par contre. Oui. Alors, moi, c'est Denise Duval, D-U-V-A-L. Et le code, c'est FQ256. F. F, oui. F. Comme femme et Q comme... Enfin, comme cul. Q, quoi. 256. Oui, ça marche, ce girl. Excuse-moi. Des bisous. Bah, je t'envoie un message si tu as demain. Très bonne nuit à toi, c'était trop bien. Merci beaucoup. Parfait. Très bien. T'imagines, Abby, demain, on se réveille, on n'a plus de liste de contacts. Ouais. Oh, oui, bah, pas de malheur. Alors oui, ce serait mieux que je fasse comme ça. Moi, tout est noté dans mon petit carnet. Oui, oui, oui. Je vais faire tout aussi. Tout sera noté aussi au Telegram, mais tout est noté là. Vous l'avez acheté, votre petit carnet ? Oh, oui, vous trouvez ça dans un General Store ? Je vais m'en acheter un. Faut que j'en le prenne, hein, d'ailleurs. Gros bisous, dors bien. Non, j'ai dû donner une note à un gordito. Ah oui. Eh bah très bien, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et puis merci beaucoup pour toutes ces informations. Bah vous aussi, au plaisir de peut-être faire affaire avec vous. Et bah bien sûr, je vous tiens au courant. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et faites attention. Oui. Ah là là, mais oui, quand je vous parle, j'appuie pas hein, sur Push to Talk, mais je sais que ça met une demi-seconde avant d'être actif ou pas le micro, avant d'être actif, inactif.
qui fait qu'on peut m'entendre des fois vous répondre quand je réponds tout de suite après avoir lâché le bouton du push to talk. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. Ah là là, c'est trop marrant. Bon. Où que c'est qui qu'on va t'y Valentine? Valentine? Ma copine? Excusez-moi. Hop là, j'ai le tab deux secondes. Non, je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Bon bijou. Je vais appeler bijou, mais j'espère qu'elle va pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est mieux quand tu viens de parler à bijou. Doudou. Ouais, non, je me disais en fait, je vais peut-être rejouer demain. Et comme ça, c'est vendredi que je ferai autre chose, parce que vendredi, de toute façon, je peux pas. Je peux pas jouer très longtemps. J'ai un bon spot à te proposer si tu veux, c'est très joli. Avec seulement lynx, loup et autres nounours. Le problème c'est que j'ai pas d'armes quoi. Du coup, s'il y a des loups, des lynx ou des ours, je suis bonne pour me faire éclater à rondelles quoi. Ouais, je sais bien parler. Du coup, faudrait que j'aille à Nesbourg pour m'acheter un arc déjà. Ce serait bien. Mais bon, on peut pas trop se défendre avec un arc, je pense. Quoique. Parce que là, bah, j'ai une arme dans le dos, mais j'ai que 2 balles et c'est une arme à petit gibier en plus. C'est une carabine à petit gibier. Donc c'est pour les petites merdes qu'on voit là. Et j'ai littéralement 2 balles. Parce que les balles, elles étaient à... Je pense qu'elles ont baissé depuis, il me semble. Mais elles étaient à 2$ pièce. Et quand j'ai pop, j'avais pas assez. Hein. Déjà que la carabine, bah, plus les 2 balles, c'était en tout 10$, je crois. Tu peux apprivoiser du vol? Oui, normalement, oui. Je sais juste plus comment... Enfin, je sais juste pas comment, c'est-à-dire, je sais pas s'il y a une méthode particulière, mais je vais tousser 2 secondes. Voilà, pardon. Mais oui, on peut. Vise l'œil, normalement ça passe. Avec une carabine MTV, je crois pas. Puis bon, viser l'œil, bien sûr, quoi. Quand la bestiole est en train de t'attaquer, que t'as une meute de 3 loups, bon, va être chaud quoi. Ou le cougar, généralement tu l'entends mais tu le vois pas. Tu l'entends plus que tu ne le vois. Mais non, même, enfin, tu peux viser la tête autant que tu veux. Enfin, si t'as une carabine à petit gibier, tu vas mettre vraiment plusieurs balles. En jeu de base, ça passait, je crois pas ça. Mais bon. De derrière. Mais bon, de toute façon. De toute façon, Denis, c'est pas trop une chasseuse, ça aurait pu, mais ça va pas être. Ça va pas être le genre. Donc bon. Pas trop envie d'aller dans un spot où je risque de me faire attaquer pour essayer de viser avec les 2 pauvres balles que j'ai l'œil d'une bestiole, quoi. Je sais pas, Là tout de suite dit comme ça. Je me dis peut-être mieux quoi. Mais surtout moi des coins que je voudrais explorer, mais autant faire ça à plusieurs. Il y en a qui connaissent le jeu, qui connaissent bien la map et tout, moi je la connais un petit peu mais j'ai oublié tous les spots un peu stylés, enfin je me rappelle vite fait mais je saurais même pas où ils sont. Il y en a qui connaissent le jeu et du coup qui peuvent servir de guide et tout, mais voilà c'est à plusieurs. Non pas du rêve du coup. Non, pas trop. Mais après les spots sympas, si je j'irais bien, enfin de toute façon comme j'ai dit, moi j'ai déjà joué au jeu avant, donc la map en soi je la connais. Hein. Mais quitte à y aller, quitte à explorer des points, bah le but ce serait de faire ça avec du monde. C'est plus sympa quand même. Voilà, on va un peu un samedi. Fucking Denis. Parce qu'on est Denise. Un samedi pour la Denise. J'avais du mal à garder mon personnage quand j'étais avec Marie, mais bon, c'était tellement... On a tellement enchaîné les conneries. C'est trop drôle.
J'ai beaucoup aimé. Je suis toujours là, au fait. Ça va, vous? Moi, oui. Voilà, je suis là. On a combien de la VOD? Je sais pas, parce que je peux pas le voir. Bon, je vais vite faire ça. Voilà, je pourrais voir. Hop, hop, hop. On est à moins de 2 heures de VOD. Je vais voir comment ça se passe à Valentine. Et puis... s'il se passe pas grand-chose, j'arrête la VOD, puis on en reprend une peut-être pour faire un petit tour à Saint-Denis, puis à Nesbourg, éventuellement, comme ça on a l'arc, machin. Et sinon... On va voir. Ouais, ouais, je vais relancer une VOD. Oh là là, je la relance maintenant. J'avoue, j'avoue. Bisous VOD, je la relance maintenant. Plus, plus.